Disons que depuis hier matin, nos équipes sont déjà à pied d'œuvre à travers donc nos structures déconcentrées pour apporter l'assistance à ces personnes déplacées de Seitenga et de Kitale. Alors, il y a eu des équipes qui ont été formées pour faire l'accueil et l'enregistrement. Il y a près de 765 ménages qui ont été recensés avec toutes les sensibilisations que nous avons pu leur apporter, l'appui psychosocial et également les orientations vers donc les sites d'accueil officiels que nous avons au niveau donc de la province du Sénat. Alors, disons que une fois que ces personnes déplacées ont été enregistrées, ils ont droit à tout le paquet donc de l'assistance humanitaire. À commencer par donc le matériel essentiel, donc le matériel de survie. Je veux parler donc de tout ce qui est matériel de couchage, des nattes, des couvertures, des seaux. Il y a également le côté alimentaire, parce que ces personnes sont venues assez essoufflées. Il fallait donc leur apporter rapidement de quoi s'alimenter, et cela aussi a été fait. Et également la protection à travers donc leur orientation sur les sites d'accueil où nous avons donc des infrastructures telles que les abris pour pouvoir les accueillir. Parce que vous savez que nous sommes actuellement en presque saison de pluie, et ce qui fait que justement ces personnes doivent bénéficier de la protection la plus totale possible. Donc tout le paquet est là, que ce soit le côté sanitaire, le ministère de la Santé également est également à pied d'œuvre pour que ensemble nous puissions voir quels sont les problèmes qui se posent. C'est au cas par cas parce que les gens n'ont pas le même problème quand ils se déplacent, mais on essaie en tout cas de faire le maximum pour apporter donc l'assistance humanitaire au plus vite à tous ceux qui sont les plus vulnérables parmi ceux qui se sont déplacés. Et cela, c'est le quotidien du ministère de la Solidarité nationale sur l'ensemble des sites. Et donc voilà, et nous n'allons pas faiblir, nous allons toujours continuer à faire ce travail-là au bénéfice donc de ces populations vraiment qui sont en difficulté.